Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un make-up que vous m'avez demandé suite à un shooting photo que j'ai fait. Alors c'était le premier shooting photo de ma vie et j'ai publié quelques photos de ce shooting sur Insta. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, vraiment allez-y parce que je publie beaucoup plus de choses là-bas que sur YouTube. Je vous mettrai mon lien là. Et suite à ces photos, j'ai eu, je sais pas, au moins 15-20 messages en privé sur Instagram qui m'ont demandé si je voulais bien reproduire ce make-up là en vidéo sur YouTube. Donc moi j'y avais pas du tout pensé, mais je me suis dit mais ouais, mais c'est une super idée carrément. Même si voilà, le make-up c'est celui-ci, c'est pas forcément un make-up incroyable, hors du commun ou un make-up de dingue. On va commencer. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait bien sûr. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur Instagram et pas sur YouTube, et d'autres sur YouTube et pas sur Instagram. Pourquoi pas me suivre sur les deux? Je trouve que c'est assez complémentaire. Donc voilà, le petit bouton est juste en bas, vous cliquez avant que le tuto commence, comme ça ce sera fait. Je trouve ça génial que vous me demandiez de faire des make-up, comme ça on est encore plus dans le partage. Ce que je vais faire, on va commencer le tuto, donc bien évidemment je vais tout vous montrer de A à Z, la manière dont je me suis maquillée pour le shooting, et en même temps je vous en parle. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt que de vous faire que le make-up, tout le long de la vidéo, de vous parler un petit peu aussi du shooting photo, comment ça s'est passé, pourquoi je l'ai fait, etc. Parce que c'était vraiment la première fois que je faisais ça. Je suis pas du tout une professionnelle, hein. On m'a fait une proposition, j'ai dit oui, je me suis lancée. Moi, je suis toujours preneuse de toutes les expériences, toutes les sensations, de nouvelles rencontres. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Je vous mettrai aussi, pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur Instagram, quelques photos du shooting. Donc je sais pas trop, soit je vous les mettrai un peu tout le long de la vidéo, soit je vous les mettrai à la fin, je verrai au montage. Mais en tout cas, voilà, comme ça vous pourrez en voir au moins quelques-unes. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse avec le make-up. C'est parti. Donc, j'ai commencé par le teint, comme d'hab. Et en fait, je voulais pas mettre de fond de teint. Je voulais un truc vraiment léger, imperceptible. En plus, j'avais peur que sur les photos, le fond de teint, ça fasse un effet un peu bizarre, ou qu'il y ait des effets cakey avec la chaleur et tout. Enfin, je me suis dit, t'es pas trop fond de teint de manière générale, te lance pas dans le fond de teint, on sait pas trop ce que va donner la lumière et tout. Donc, j'ai préféré mettre une bonne base de teint, vraiment pour camoufler les pores, bien les resserrer, unifier un peu le teint, un produit teint, et je me suis dit, après avec l'anti-cerne, tu viendras corriger et tout ça. J'ai préféré faire ça. Donc j'ai mis la base de teint Origins, la Original Skin, celle-ci que j'adore. Vous savez, c'est celle qui est très très fraîche et effervescente. Je vais enlever mes petits bijoux quand même. Ouais, c'est une base vraiment pour les pores. Enfin, elle est rafraîchissante, elle est à l'épilobe, et elle est vraiment faite pour resserrer les pores. Par contre, j'en ai pas mis que sur la zone T, que là où j'ai des pores. J'en ai mis vraiment partout sur mon visage. Même si j'ai des fonds de teint que j'adore, qui sont pour moi des valeurs sûres, je me suis dit franchement, on sait jamais, ce serait vraiment dommage de te retrouver avec un effet cakey sur le visage. Le teint c'est le plus important, c'est le seul photoshooting que tu vas faire, donc je savais pas forcément quel serait le décor, la température, le temps et tout ça, donc voilà, une bonne base déjà. Et ensuite pour le teint, je suis partie sur une valeur sûre. Donc j'ai appliqué mon eau de teint de chez Chanel. C'est comme un fond de teint, mais il est tellement fluide et léger qu'il fait cet effet vraiment seconde peau. Il est complètement imperceptible. Donc je me suis dit que pour le shooting photo, ce serait vraiment parfait. Et puis c'est ce qui me ressemble le plus en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Mon chéri m'avait dit, ouais, ne mets pas de maquillage, vas-y nature, fais-le naturellement. Je voulais juste quand même, voilà, m'embellir un peu. Si vous atterrissez sur la chaîne, hein, et que vous me voyez appliquer un fond de teint comme ça, au doigt, sans miroir et tout, c'est normal, hein. C'est l'eau de teint de chez Chanel, elle est tellement, tellement fine, tellement fluide, on peut l'appliquer comme ça, comme une crème en fait. Directement au doigt, sans forcément se regarder. Voilà, j'en ai mis dans le cou aussi, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, quoi. Je suis allée me laver les mains, et franchement, ces deux produits-là, la base et l'eau de teint de chez Chanel, c'est tellement pratique, à la main, on se lave les mains, c'est terminé. C'est vraiment ça que je voulais, un truc vraiment naturel, un truc qui me ressemble vraiment, en fait, voilà, sur le shooting, je voulais qu'on voit ma peau, quand même, voilà, en transparence, mes taches de rousseur, etc. Du coup, ensuite, j'ai mis anti-cerne. Alors, au début, je ne voulais mettre qu'un seul anti-cerne, le Fit Me de chez Maybelline, vu que c'est vraiment ma valeur sûre. Et après l'avoir mis, je me suis rendu compte que j'avais tellement de cernes, comme aujourd'hui d'ailleurs, que ça ne suffisait pas. Donc, j'ai rajouté le Shape Tape de Tarte par-dessus. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais faire pareil pour avoir exactement le même résultat que lors du shooting photo. Du coup, j'avoue que sur le teint, c'est quand même super light. Mais sur les cernes, il y a deux couvrances différentes. Du coup, on ne les voyait plus du tout, hein. Eh, franchement, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire ça, comme moi, de faire un shooting photo. Moi, c'était la première fois. Enfin, j'en avais fait qu'un seul. Et c'était en famille, à la naissance de ma deuxième fille, un cadeau qui m'avait été offert par mes collègues. Une séance photo en famille, c'était génial, génial. Mais moi, j'en avais jamais fait, moi toute seule, en fait.
Et là, bon, l'occasion s'est présentée. Franchement, j'ai pas hésité. J'ai dit oui tout de suite. De toute façon, moi, je suis toujours hyper curieuse, voilà, et preneuse de toutes les nouvelles expériences, toutes les nouvelles sensations. Enfin, j'adore découvrir de nouveaux univers. Et c'était vraiment top, quoi. Si vous en avez jamais fait, vraiment, je vous le conseille. Je vous conseille de le faire parce que ça vous fait, ben, non seulement une expérience de vie, moi, je trouve ça top, et ça vous fait des super souvenirs, des belles photos de vous que vous pourrez garder toute votre vie. On a rarement l'occasion d'avoir de si belles photos, voilà, faites par... par un professionnel. Franchement, si vous avez l'occasion ou si vous l'avez pas, n'hésitez pas à faire la démarche. Moi, en tout cas, je me suis éclatée. J'ai passé un super moment et je trouve que le résultat est top. Donc, je rajoute le shape tape par-dessus, du coup. Bon, par contre, j'en mets moins, hein, parce qu'il est, vraiment très, très couvrant, celui-ci. Et l'anti-cerne, vous savez, moi, j'en mets sur mes cernes, bien sûr. Et j'en mets aussi au-dessus. Sur ma paupière pour uniformiser la paupière. De moi-même, ça me serait pas venu à l'idée, hein. Si le photographe m'avait pas contacté sur Insta, j'avoue que moi j'y aurais pas pensé. Je vois tout le temps, voilà, les filles qui font des shootings et tout, plein de photos sur les réseaux sociaux, mais moi j'aurais jamais pensé à le faire moi-même. Et c'est top, quoi. Et c'est vrai que quand on se voit en photo, c'est trop beau, quoi. On se dit c'est moi sur la photo. Je sais pas, ça fait des super souvenirs, non seulement pour soi bien sûr, mais à garder, à montrer à son chéri, ses amis, ses enfants plus tard, enfin... Et puis ça donne confiance en soi aussi, je trouve. Alors, c'est pas forcément évident, hein. Moi, voilà, le premier quart d'heure, j'étais pas très très à l'aise, puisque j'ai jamais posé de ma vie, mais le photographe m'a vraiment mis à l'aise, il était super sympa, on s'est vachement marré en plus, enfin, on a passé vraiment 2-3 heures, c'était un super moment partagé. On se dit, ben, je suis pas si mal, quoi, enfin, en tout cas, sur ces photos. Et je pense que ça peut aider, notamment pour les personnes qui ont pas trop confiance en elles et tout, qui ont vachement de complexes. Moi, j'en ai des complexes, hein, je les vois sur les photos, bien évidemment. Mais je pense que ça peut vraiment aider, ouais. Ok, voilà pour l'anti-cerne. Du coup, j'en ai mis que sur les cernes, au-dessus de la paupière, un petit peu entre les sourcils. J'ai pas fait de point de lumière autour des ailes du nez, par exemple, ou sur le menton. Et comme j'ai pas d'imperfection en ce moment, bah, j'avais rien à cacher, donc j'ai poudré direct. J'ai pris la meilleure poudre que j'ai, donc c'est la Full HD de chez Make Up For Ever. Je finis mon petit pot mini, là, avant d'entamer le full size que j'ai acheté. De toute façon, pour le shooting, voilà, j'ai pris que des produits que j'adore, des valeurs sûres. Et celle-ci, je vous l'ai déjà dit, elle est fixante, elle est matifiante, mais son petit plus vraiment, c'est qu'elle est lissante. Pour moi, c'est la meilleure. Donc voilà, comme je voulais une peau la plus lisse possible, la plus belle possible, ben, j'ai pris celle-là, quoi. Et franchement, j'ai pas distingué les yeux et le reste du visage. Je l'ai appliquée partout, hein. Avec la By Terry, c'est vraiment les deux meilleures poudres que je vous conseille, car elles ont cet effet lissant que j'ai rarement vu dans des poudres. Enfin, en tout cas, pas à ce point-là, quoi. Non mais regardez la transformation par rapport à il y a quelques secondes. La peau, elle est tout de suite transformée, quoi. Ensuite, j'ai fait mes sourcils. Alors, je voulais pas trop me maquiller les yeux, en fait. J'étais partie sur un truc où je me disais, tu vas te faire un super joli teint, un petit rouge à lèvres, et pas forcément les yeux. Je pensais mettre que du mascara, bien redessiner mes sourcils. Et en fait, finalement, j'ai juste appliqué, vous verrez tout à l'heure, 2-3 fards. Juste, ben, comme j'ai les paupières qui sont vachement tombantes, histoire de redessiner un tout petit peu. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai fait sur les yeux. D'autant que j'avais pris plusieurs tenues avec des couleurs et tout ça. Donc voilà, j'ai fait un make-up des yeux vraiment, vraiment light. Et puis de toute façon, ça me ressemble pas de... Enfin, je fais rarement des make-up des yeux hyper colorés, tout ça. J'en fais de temps en temps, mais bon, c'est pas ce que je fais le plus. Donc je me suis dit, voilà, il faut que tu fasses un shooting photo qui te ressemble le plus. Juste pour mes sourcils, je prends le Precisely My Brown Pencil de chez Benefit. Parce que ça, par contre, je me suis dit, c'est important pour le shooting d'avoir des sourcils bien redessinés, bien jolis, puisque ça structure vraiment le regard et même le visage. Voilà pour les sourcils, j'ai simplement retracé les miens, j'ai rien fait de too much, de toute façon rien n'est too much, hein. Surtout pas le teint, parce que oui, c'était dans la nature le shooting photo, c'était pas en studio, donc là c'était lumière naturelle, donc vraiment on voyait tout, donc il n'était pas question de faire un truc too much, enfin non, pas du tout. Donc pour les yeux, je vous dis, truc très très simple, d'abord j'ai pris ma petite palette Charlotte Tilbury, la palette Pillow Talk, celle-ci, j'ai utilisé ces deux fards là, donc il y en a un qui est vraiment noisette et l'autre il est un petit peu plus rosé. L'un après l'autre, d'abord j'ai pris le rosé et ensuite le noisette, juste pour redessiner mon creux de paupière. Comme je vous disais tout à l'heure, je voulais pas faire un make-up en fait, vraiment avec beaucoup de fard à paupières et tout ça. C'était pas l'idée, comme je vous ai dit, l'idée c'était juste de venir grâce au fard à paupières, juste mettre en valeur un peu les yeux et redéfinir leur forme. Et comme j'adore ces fards Charlotte Tilbury, parce que vraiment c'est exactement ça, grâce à ces fards, comme ils sont pigmentés vraiment juste ce qu'il faut, on peut tout à fait voilà, redéfinir la forme de son œil, le restructurer un petit peu, sans qu'il y ait trop de matière, trop de couleurs, trop de pigmentation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ils étaient parfaits voilà, pour
pour ce que je voulais faire. J'en ai appliqué un tout petit peu ici en haut parce que sinon moi on ne voit plus mon pli de paupière, n'est-ce pas? Voilà, un petit peu vers la queue du sourcil et je fais exactement pareil avec le deuxième qui est un petit noisette. Et je laisse la paupière mobile vierge en fait. J'avoue que ce qui était un peu bizarre pendant le shooting, enfin ça, au début ça me mettait un peu mal à l'aise, c'est qu'il y avait plein de gens en fait. Parce que comme on est allé au Jardin de l'État à Saint-Denis, c'est un grand parc en fait, donc il y a pas mal de monde. Puis bon, on y est allé à 16h, on a commencé à 16h, donc forcément il y avait encore du monde. Au début, voilà, les gens, quand ils me voyaient poser, soit sur, je sais pas, dans les souches, sur des bancs, contre un arbre et tout ça, en passant, forcément, ils me regardaient, ils devaient se demander qu'est-ce que c'est. Et en fait, j'ai réussi quand même à vite faire abstraction de ça. J'ai essayé de faire comme s'ils n'existaient pas. Mais bon, moi, comme j'ai un peu la connerie à chaque fois, quand des gens passaient, j'étais là, je leur souriais, je leur faisais coucou. Franchement, on a rigolé, hein, on a rigolé. Hein. Il m'a dit, j'ai rarement autant rigolé, je crois jamais même, dans un shooting photo. Il m'a dit, la plupart des filles que je prends en photo, elles sont sérieuses et tout. Il me dit, toi, tu rigoles tout le temps, t'as la connerie. Oh, bah oui, hein, bah, de toute façon, fallait pas se prendre au sérieux. Et les photos les plus belles, c'est les photos naturelles, de toute façon. Voilà, c'est les photos quand on pose pas forcément, qui sont prises comme ça, un peu sans qu'on le sache, quoi. Mais j'avoue que ça peut être un peu malaisant pour certaines personnes, quand il y a du monde autour et tout ça, parce que c'est pas comme en studio où il y a que nous et le photographe, quoi. Mais même avec lui, de toute façon, je me suis vachement marrée, hein. Oui, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai gardé le petit fard noisette, là. Je fais un petit ras de cils inférieur avec. Les gens qui passaient, ils devaient croire que j'étais une mannequin ou j'en sais rien, alors que pas du tout. Mais ils me croyaient pas, hein. Ils me disent, t'es sûre que t'as jamais fait ça? T'es certaine, tu me mens pas, t'as jamais fait ça? Je lui dis non, je te jure, c'est la première fois. Ok, ensuite j'ai pris la palette Natasha Denona, la lila palette, celle-ci, pour utiliser ce fard-là. Je voulais un brun assez foncé pour juste intensifier un tout petit peu le coin externe de l'œil, histoire de smoker un tout petit peu voilà, le regard. En fait, j'en ai mis là, coin externe, un tout petit peu dans le pli de paupière, vraiment sur l'extérieur de l'œil. J'ai même pas trop estompé, hein, j'ai juste déposé comme ça. Franchement, si vous habitez à La Réunion, n'hésitez surtout pas à contacter ce photographe. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai son nom dans la barre d'infos. Parce qu'il débute, mais il a énormément de talent. Je suis sûre que c'est un grand photographe en herbe. Quand je vois ses photos et même sa façon de travailler, il m'a mis tellement à l'aise. Enfin, c'était top, quoi. Voilà, je fais un petit peu la liaison ici, au coin externe de l'œil, avec le bas, là. J'ai pas rajouté de fard, en fait, sur le pinceau. Je garde le reste de fard qu'il y a dessus. Juste pour lier un peu le haut et le bas. De toute façon, ces fards Natasha Denona, là, ils sont tellement pigmentés que... Voilà, si on veut un truc light, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Bon, de toute façon, je viendrai à la fin un petit peu tout réestomper, comme d'habitude. Ensuite, je voulais un fard noir pour faire un ras de cils. J'avais pas envie de mettre un trait liner, je voulais plutôt un fard noir. Histoire que ce soit un petit peu plus naturel et plus fumé. Donc peu importe, hein, mais moi j'ai pris celui de la palette Charlotte Tilbury, la grande palette, j'ai pris celui-là. C'est la grande palette Starry Eyes to Hypnotize, absolument magnifique. Voilà, je voulais un fard bien noir et je l'ai juste déposé, hein, limite même pas estompé, tout le long de mon ratil, mais que en haut. Et ensuite, j'ai pris mon petit fard Clarins à l'unité, hyper lumineux, c'est celui-ci, l'ombre Sparkle, celui-là c'est la teinte numéro 102 Peach Girl. Et j'ai appliqué au doigt tout simplement sur ma paupière mobile, bah, là où il n'y avait pas vraiment de fard, histoire d'apporter voilà, juste un peu, vraiment juste un tout petit peu de lumière au regard. Mais pas beaucoup, je voulais pas avoir un regard hyper pailleté, pas du tout. Je voulais juste bah, apporter ouais, un peu d'éclat. Et du coup, je voulais faire des photos dans la nature, parce que ça c'est vraiment mon truc, j'adore la nature. Un peu en mode bobo chic, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis bobo chic. Parce que c'est un style que j'adore, que je porte vraiment très souvent. C'est mes filles qui crient derrière, hein. Enfin, qui me ressemblent beaucoup, quoi. Vraiment très confortable, mais en même temps bien accessoirisé, donc assez élégant. Je voulais vraiment ça. Voilà, j'en mets très peu. Un peu bohème style, quoi. Et je voulais aussi quelques photos un peu street, quoi. Donc avec un look beaucoup plus femme fatale, beaucoup plus, je sais pas comment dire, beaucoup plus rock. Un look quoi de ville. Et du coup on est parti après en centre-ville bah, de Saint-Denis. On a trouvé des coins un peu sympas, avec des lampadaires voilà, un peu stylés ou des graffitis et tout ça. Comme ça, ça faisait vraiment deux types de photos bah, complètement différentes. J'ai mis mon mascara bah, le meilleur que j'ai. Donc le Damn Girl de chez Too Faced. C'est le meilleur que j'ai parce que vraiment il apporte, il a tout quoi. Volume, longueur, il fait des cils de malade. J'ai rajouté un tout petit peu de crayon noir en muqueuse. Je vais finir mon teint. Du coup, j'avais pris ma palette Blush Boss de chez Benefit, bien évidemment pour la Oula. La Oula, la meilleure poudre bronzante.
Ah, je vous dis, hein, j'ai pris des valeurs sûres, hein, j'allais pas me lancer dans des tests de produits et tout, non, non, non. Ouais, donc je vous disais, on a fait deux styles de photos, donc style nature et style un peu street. Mais franchement, je pense que je vais en faire d'autres. D'ailleurs, il m'a proposé, je pense que je vais en faire d'autres parce que je trouve que c'est vraiment top, quoi. Quand je vois les photos, ça fait des souvenirs magnifiques, je vous dis. J'avais fait des photos, d'ailleurs je les avais postées sur Instagram aussi, mais rien à voir, hein, c'est mon homme qui m'avait pris en photo, on était sur la plage à Saint-Gilles-les-Bains, et les photos déjà, elles étaient magnifiques, alors que mon chéri les avait pris avec, avec son téléphone ou avec le mien, je sais plus. Et quand je vois ces photos à la plage, les photos dans la nature, là, les photos dans la rue et tout, ça me donne envie vraiment d'en faire d'autres, dans d'autres lieux, dans d'autres contextes, enfin ailleurs. Ça m'a donné goût, j'avoue, ce premier shooting, ça m'a donné l'envie de, alors pas d'en faire énormément, mais au moins d'en faire un autre là, je sais pas, dans un autre lieu qui pourrait être un peu sympa. Ici à La Réunion, je veux dire, c'est pas ce qui manque, il y a tout, il y a la montagne, il y a la mer, il y a la ville, enfin il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer comme décor. Et puis en plus, voilà, c'est l'occasion de mettre des tenues ben, qu'on met rarement, qu'on n'ose pas forcément mettre au quotidien. Là, de toute façon, on se dit, voilà, c'est pour de belles photos, donc c'est vraiment l'occasion. Je sais pas, je pourrais faire aussi des photos make-up, où je me fais des make-up vraiment sympas, où le photographe mettrait en valeur le maquillage, enfin, je sais pas, j'ai plein d'idées qui me viennent. Ensuite, blush. J'ai pris le joli blush de chez Clarins, celui-ci, que moi j'ai en teinte 06 Cheeky Coral. Parce que pareil quoi, il est parfait. Et vous voyez, quand je vois les photos, je vois certains de mes complexes sur les photos, bien sûr. Parce qu'en plus, je lui ai demandé de ne rien retoucher. Parce que parfois ça se fait, et notamment par des photographes professionnels, il y a pas mal de retouches. Il a rien retouché du tout, et moi non plus d'ailleurs. Et je pense que ça peut aider aussi à accepter ses complexes. Quand je regarde les photos par exemple, ben voilà, je vois mes mini bourrelets au ventre, je veux dire, j'ai eu deux enfants, je vois mes cicatrices, je vois ben, mes petites rides, mes petites ridules. Forcément j'ai plus le visage de quand j'avais 20 ans quoi, j'ai pas la même peau hyper tendue. Bon, ce qui me choque le plus, c'est mes paupières, vous en doutez évidemment. Mais enfin bref, j'avais pas du tout envie de retoucher, j'avais envie de faire des photos vraiment ben, de moi, avec, ben, voilà, avec mon âge, mes 33 ans, avec mes petits défauts, mes petites particularités, et puis voilà, j'avais vraiment envie que ce soit naturel. Ok, ensuite j'ai mis un peu d'highlighter, j'ai pris le BK, le fameux BK, celui-ci en teinte C-pop, qui est pareil pour moi un des meilleurs highlighters, parce que là je me suis dit en plus comme on va être dehors, c'est pas mal de mettre en lumière certaines parties du visage. Parce qu'avec le soleil et la lumière naturelle, du coup, je pense que je me suis dit que ça va faire joli. Mais j'en ai pas mis beaucoup parce qu'il est très très pigmenté. D'ailleurs, je me suis maquillée chez moi. Et après, quand je me suis vue dans la voiture, je me suis dit, oula, t'en as mis un peu trop. Donc j'en ai enlevé un peu. Voilà, là encore, j'en ai mis trop. Par exemple, sur l'arc de Cupidon, j'en ai mis trop. Cet highlighter, c'est vrai qu'il est magnifique. Mais faut faire gaffe quand même, hein, parce que... Enfin, faut avoir la main légère. Et là, je suis en train de l'estomper un peu. Et puis j'ai mis un petit rouge à lèvres. Alors, j'avais envie de nude, bien sûr. J'avais pas envie de mettre un rouge à lèvres trop rose, rouge, enfin trop foncé. Mais un nude un peu quand même soutenu. Donc celui que j'ai choisi, c'est le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc celui-là, c'est le mini. Et celui-là, c'est la teinte Glow Ingen. J'arrive jamais à le prononcer. En fait, vous voyez, c'est un nude. Mais ouais, assez soutenu, un petit peu marronné. Et je trouve cette teinte dingue. Cette teinte, je suis amoureuse de cette teinte. Je la trouve tellement belle. Je trouve qu'elle met vraiment la bouche en valeur et tout. Je l'adore. Je la préfère même au Pillow Talk classique qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus nude. Je trouve qu'il fait encore plus, vous allez voir, glamour féminin. J'adore. Regardez la beauté. La beauté de cette teinte, quoi. J'aime trop, trop, trop. Je sais pas, il est entre le rouge, le marron, le rouille. Il y a quelques petits sous-tons orangés aussi à l'intérieur. Enfin, c'est une teinte hybride que je n'ai jamais vue. Et je l'adore. Ça, je l'avais eu en cadeau. Puisque c'est un mini, et je pense que je vais me l'acheter en format full size, cette teinte-là, parce que j'en suis dingue. Voilà le make-up que j'ai fait pour le shooting photo. Franchement, sur Insta, vous avez été vraiment super, super nombreuses à me le demander, donc je voulais vraiment vous le faire. Et vous avez été aussi hyper nombreuses à me demander de vous tenir au courant de tout ça, tous les petits projets. Donc il y avait le shooting photo. Donc si j'en fais d'autres, bien sûr, je vous tiendrai au courant aussi. Et bientôt, je vais jouer dans un court-métrage. Donc là aussi, ça va être une expérience... toute nouvelle pour moi, vraiment, je n'ai jamais fait ça, je ne suis pas du tout actrice ni comédienne, je n'ai jamais joué dans rien du tout, mais je vais le faire parce que
Ça va me permettre de découvrir un petit peu l'envers du décor d'un film, même si c'est un court-métrage. Comment fonctionne, voilà, les caméras, les montages, etc. Enfin, les jeux d'acteurs, je trouve ça absolument génial. J'ai été contactée pour faire ça. Et pareil, j'ai accepté en disant voilà, à la personne, au réalisateur, que je n'avais absolument aucune expérience et que je sais pas du tout si je serais à la hauteur. Mais il m'a dit, allez, on y va. Il me dit, écoute, voilà, j'ai vu ton profil, j'ai regardé un petit peu tes vidéos, ta personnalité, ta façon d'être et tout, ça semble correspondre vraiment au rôle auquel j'ai pensé pour toi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ça aussi. Je me suis un peu égarée du make-up. Voilà ce que ça donne. Franchement, vous voyez, j'ai fait un truc vraiment, vraiment léger. Hein. C'est pas un make-up, no make-up, mais ça reste assez naturel, assez glamour. Et c'est vraiment, vraiment ce que je voulais pour ce shooting photo. Parce que c'est le genre de maquillage que je préfère, que je trouve le plus beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein. En 15 minutes, je l'ai fait. J'espère que ça vous a plu et que ça aura répondu à vos attentes. N'hésitez surtout pas à me demander, voilà, de réaliser des make-up comme vous l'avez fait là. Parce que de moi-même, j'aurais pas forcément pensé à le faire. Et de nouveau, j'ai passé un super moment avec vous. Donc j'espère que vous aussi. J'attends vos retours comme toujours. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.